Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sfrocoulou Mike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir débloquer ce skin que vous voyez à l'écran gratuitement sur Fortnite. Donc c'est le skin de Gamora qui vient directement de l'univers des gardiens de la galaxie de Marvel. Donc voilà, là on peut voir le skin qui sortira en boutique le 18 août à 2h et on peut voir son accessoire de dos qui est une cape, sa pioche qui est une épée et ça je ne sais pas, je pense que c'est peut-être son planeur ça. Ça doit être son planeur. Donc voilà, ça c'est tout le pack de Gamora qui sortira le 18 août à 2h du matin. Le 18 ou 19 août. Je pense que 18 août à 2... Ouais, je pense que c'est le 18 août à 2h du matin. Alors pour gagner le skin, gratuitement, il faudra participer à la coupe Gamora. Alors très important, la coupe commencera le 11 août et vous aurez 3 heures pour faire 10 parties et gagner un maximum de points. Alors ici, vous pouvez voir qu'il y a un petit spray, donc un spray gratuitement que vous allez pouvoir aussi débloquer. Donc c'est le spray Fille de Thanos que vous allez pouvoir débloquer si vous faites minimum 8 points pendant la coupe. Donc vous lancez une partie, vous lancez en duo avec votre pote et vous faites minimum 8 points pour débloquer l'aérosol juste ici. Alors si vous voulez le skin avec la cape, il faudra être classé dans les 2500 meilleurs joueurs de la coupe. Alors ça veut dire que les 2500 meilleurs duos de la coupe, donc ça veut dire 5000 personnes, débloqueront le skin gratuitement plus son accessoire de dos qui est sa cape. Alors bien entendu, si vous voulez plus d'informations, je mettrai le lien du site officiel en description et en commentaire épinglé. Sur ce site, vous avez toutes les informations nécessaires, plus les informations du règlement du tournoi de la Coupe Gamora. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Sfrocoulou Mec et ciao. Peace.